Salut les mecs, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la date de l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid. Mais avant de parler de Kylian Mbappé qui va signer au Real Madrid, n'hésite pas à liker et de t'abonner à la chaîne en activant la cloche. Ça reste et c'est évidemment le plus important, je compte sur vous. Et nous les gars, on est parti pour parler d'Mbappé au Real Madrid. Mbappé est le joueur qui fait le plus parler en ce moment en France, en Europe et dans le monde. Grâce à ses prestations brillantes avec le PSG, forcément, mais aussi à cause de l'incertitude autour de son avenir, lui qui sera libre de tout contrat en juin. Le Real Madrid rêve de l'enrôler et les discussions avec Paris ne semblent pas vraiment avancer. Ces derniers temps, plusieurs informations évoquant des nouvelles propositions parisiennes refus à la hausse ont circulé avec des salaires astronomiques pouvant aller jusqu'aux millions d'euros par semaine. De quoi faire réfléchir le principal concerné, forcément. Et voilà que le sérieux The Times précise que le Real Madrid commence à mettre la pression à Mbappé. Selon The Times, les merengues ont fait savoir à Mbappé que cet été ou jamais, s'il venait à revenir sur l'accord oral qui existe déjà avec les merengues en signant un nouveau contrat à Paris, les dirigeants du Real Madrid ne tenteront plus jamais de le recruter. Le journal précise ainsi que les madrilènes sont un peu moins confiants en ce moment, d'où ce coup de pression. Les derniers assauts du PSG dans ce dossier sont vus comme potentiellement dangereux d'un point de vue merengue, et dans les bureaux du Santiago Bernabéu, on craint que le Parisien finisse par céder et signe un nouveau contrat avec le leader de la Ligue 1. Mbappé pourrait donc signer dès cet été au Real Madrid, certainement au mois d'août. Voici en tout cas les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid est vraiment une bonne idée? En tout cas les mecs, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner avec la cloche. Ça reste et c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous, j'en vous dis à la prochaine et salut.